Dans l'histoire, ça, nous voyons ensemble qui sont capables de faire pour nous pivoter le rectangle, c'est-à-dire changer l'angle de rotation. Pour pivoter, il y a deux façons de faire. Et à partir de deux façons, ça, ou même, reste façon qui existe, ou pas changer, découvrir, pour compte. Qui s'en fait pour me pivoter le rectangle, par première façon? Je clique sur le rectangle, et puis, maintenant, bas de propriété rectangle, là. Vous marquez bien, là, il y a un angle de 0 degré. Mais voici ça gagne comme 0 A. Et puis, mettez par exemple 30 degrés. Vous tapez 30. Et finis peser Enter. Automatiquement, vous remarquez bien, vous avez un rectangle qui virait dans le sens 30 degrés A. Il était qu'à tout. 75 degrés. 75, Enter. Automatiquement, vous avez un rectangle qui virait dans l'angle 75 degrés. Ça, c'est si je suis sûr, si je suis bien déterminé, angle de rotation, non. Mais si je ne suis pas sûr de déterminer l'angle de rotation, non, à ce moment-là, qui ça me fait pour me sélectionner le rectangle, je vais pivoter le rectangle manuellement. Qui ça me fait? Je vais cliquer sur lui une fois, et puis je vais cliquer sur lui encore une autre fois. C'est fini. Je vais joindre 4 flèches. 4 flèches. Je vais cliquer le rectangle dans n'importe 4 ça. Qui ça me fait? Je vais cliquer. Je vais cliquer le clic là. C'est fini. On bouge souriant pour me virer le rectangle dans le sens que je veux virer là. Et quand ça me blé, c'est quand ça me blé, n'importe façon où je si c'est là où je me automatiquement, je me moins jeune que je pivote le rectangle dans un angle de 134 degrés. Allez, ce machine-bord là. Essayez de pivoter le rectangle et puis, ouais, qui feeling ça gagne.